décidé d'être heureuse, d'arrêter de me battre contre un système, contre des idées, et d'agir pour le monde que je souhaite voir émerger et les initiatives que je souhaite porter. J'arrête de lutter contre un système, mais je mets toutes mes forces et mon intention, ma bienveillance, mon envie, ma joie au service de l'humain, parce que je crois en l'humain. Soulagement et une libération, et depuis j'ai même du mal à rester accroché. C'est que du bonheur. L'humanité, la part d'humain qui est en nous tous, cette humanité indissociable qui est en chacun de nous, et ce rapport à la réalité en dehors du mensonge du système. Finalement, en luttant contre, le système m'utilisait encore. Parce que je participais à son existence. C'était mon intégrité physique et morale qui était bafouée. La plus actuelle, c'est les incroyables comestibles. J'ai plongé dans le mouvement Incroyables Comestibles, qui est un collectif citoyen. Totalement autogéré, qui prône la mise en place de potagers urbains, libres, gratuits, ouverts à tous. Et c'est un pari en fait, on fait des potagers en ville, on crée des petits potagers en ville, que ce soit dans des bacs ou dans des espaces de terre qui existent déjà, on plante des comestibles. Et le pari, c'est que les habitants du quartier vont se saisir de ce potager qui leur est offert comme ça par surprise et vont en prendre soin. Arroser les plantations qui sont là et puis découvrir que finalement, sous les pavés, la terre, je suis sûre que si on enlève le goudron dans les rues, je répète à parier ma chemise qu'on trouverait de la terre. Et qu'il suffit de mettre une graine en fait, c'est magique, on met une graine, ça pousse. Et dans cette graine, il y a de quoi manger et il y a des graines pour planter encore et ça pousse encore. Et d'une graine, on fait 50 graines, de 50 graines, on fait 50 plantes qui vont donner chacune 50 graines et on enlève du béton et on continue et comme ça on s'occupe, on retrouve le plaisir de faire et puis de voir un résultat, un vrai résultat quand on travaille dans le virtuel ou dans des usines, on ne voit pas le résultat de son travail, là on plante, on voit le résultat de son travail, on s'en nourrit on continue à faire perdurer la vie. J'ai eu la chance également de pouvoir participer à l'émergence d'un collectif qui s'appelle les Gratis Furieux, qui organise des zones de gratuité festive. Une zone de gratuité festive, c'est un marché gratuit, où tout est gratuit en fait. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas du troc, c'est pas du don, c'est vraiment c'est pas de l'échange, c'est vraiment du don. C'est pas du don, tout est gratuit. Les personnes amènent ce qu'elles ont à amener, prennent ce qu'elles ont à prendre, on peut prendre sans amener, amener sans prendre, prendre et amener, ne rien prendre et ne rien amener, juste venir partager de l'ambiance qu'il peut y avoir sur un espace en fait où l'argent n'existe plus, où les relations humaines ne sont plus du tout soumises à l'argent. Les gens apportent, on peut aussi apporter à manger, on mange en fait des repas collectifs partagés. Et de plus en plus à Montpellier ça s'organise, c'est autogéré. Au départ, donc, j'ai eu la chance de participer à l'émergence de ce collectif. Aujourd'hui, c'est un espace qui est autogéré. La règle est simple. Tous les troisièmes samedis du mois, de 11h à 16h, un espace de gratuité. S'il pleut, c'est reporté à la semaine d'après. Très jeune, déjà, j'étais contre. 4, 5 ans, 6 ans à l'école, j'étais contre l'injustice. Adolescente, j'étais contre la société. Ensuite, j'ai rencontré des mouvements d'éducation populaire qui étaient pour les droits de l'enfant. Donc j'ai milité pour les droits de l'enfant. Ensuite, il y a eu des moments contre les inégalités, contre la sectorisation des gens, le racisme. Ça fait 10 ans que j'ai plus la télé, ou 12 ans que j'ai plus la télé déjà, que je lis plus les journaux, j'écoute plus la radio. Je préfère venir à des collectifs comme ce soir, par exemple, à rencontrer les gens, aller à la rencontre de ce qu'ils ont de beau, de ce qui les motive, que de... Et ça, c'est vraiment le changement, il est là. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de vos besoins profonds, soyez à l'écoute de vos rêves, soyez à l'écoute de vos souvenirs d'enfance, de ce que vous rêviez d'un monde, soyez à l'écoute de ce qui attire votre regard, de ce qui est beau, de ce qui vous fait du bien. Puis n'hésitez pas à oser. Ça peut être aussi une bonne idée de faire un peu, parfois comme ça, des petits bruits et offrir aux personnes qui le souhaitent une prise de conscience on peut vivre autrement.
qu'aujourd'hui, être bien, c'est être bien tous ensemble, dans ma rue, dans ma ville, dans le pays, mais au-delà des frontières, en fait. C'est vraiment abandonner l'idée des frontières et d'être le film Solution locale pour un désordre global. Le titre me semble en dire long sur la nécessité, effectivement, de réfléchir à grande échelle, tout en ayant une action à son échelle.